Yo les mecs, c'est Disco Gaming Clash. Alors là, aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien commencer sa chaîne YouTube. Alors moi j'ai mal commencé ma chaîne YouTube, j'aurais dû faire comme les autres, mais malheureusement j'ai pas fait comme les autres. Alors vous allez avoir 100 abonnés, 1000 abonnés, 10 000 abonnés, voilà, 100 000 abonnés, vous allez dépasser les bords. Alors moi, voilà, j'ai fait une grosse erreur, j'avais pas écouté tous les autres. Voilà. Première chose, pour mettre des vidéos en ligne, voilà, vous allez installer Mobizen. Ça se trouve sur Play Store. Vous écrivez Mobizen pour Samsung. Mais je veux dire, comment bien commencer sa chaîne YouTube sur Android. Alors là, vous avez tous les écrans. Hein. Vous enregistrez Mobizen Screen Recorder. Mais pas d'enregistreur d'écran Mobizen. Voilà. Vous enregistrez ça. Voilà. Vous enregistrez, voilà. Une fois que vous avez enregistré Mobizen, ici il y a un truc là où j'appuie Mobizen. Vous appuyez dans Mobizen. Là vous allez tomber ici. Alors là c'est pour prendre des photos, là c'est pour faire des pauses. Et là c'est pour faire des vidéos. Vous appuyez, après vous attendez 3 secondes et voilà. Bon. Alors, après, il faut enregistrer PowerDirector, bien sûr, qui se trouve dans Play Store. PowerDirector. Vous enregistrez la première, mais pas PowerDirector version Blunt. Voilà. Une fois que vous avez installé PowerDirector, une fois que vous avez installé PowerDirector, vous installez TubeMate, qui ne se trouve pas sur Play Store, mais qui se trouve sur Google. Voilà. Après là, c'est écrit télécharger. Vous appuyez et là vous allez tomber dans cette page. Alors vous faites télécharger. Moi je vais pas le faire parce qu'après ça va bugger. Et quand c'est téléchargé, allez ouvrir. Faites OK. Après installer, ça écrit voilà. Bon. Quatrième, vous enregistrez Vidéo Show qui se trouve sur Play Store. Toujours, vous pouvez enregistrer PowerDirector ou KineMaster, mais je trouve que PowerDirector c'est mieux pour moi. Alors, c'est quoi déjà? Vidéo Show, pas Movie Maker Editor parce que je l'ai pas. Faut pas l'avoir, voilà. Vous appuyez dans éditeur de vidéo, montage vidéo light. Vous appuyez dans light. Là, la deuxième. Voilà. Quand vous avez téléchargé tous les trucs, vous allez en premier, vous allez sur Vidéo Show. Voilà. Vous tombez ici. Non. En premier, vous allez dans TubeMate.
Alors là, faut voir. Alors, pour, par exemple, vous voulez télécharger une musique ou une intro. Pour télécharger une intro, vous écrivez. Pour bien commencer, il faut avoir une intro. Intro sans texte. Là, je vais être là. Afficher plus d'événements. Là, vous tombez ici, là. Par exemple, je prends cette intro. Pour télécharger, il faut appuyer dans la flèche verte qui se trouve juste en haut à droite. Vous appuyez. Faites rien. Pour télécharger, intro sans texte. Et quand voilà, ça arrive ici, voilà. C'est dans votre truc. Et pour télécharger de la musique, vous faites pareil, voilà. Vous écrivez, vous faites pas. Bon. Après, pour bien commencer, vous allez dans vidéo show. Qui se trouve ici. Faites éditeur de vidéo. Vous avez vos deux vidéos. Là, vous avez fait commencer. Voilà. Vous voulez ajouter une autre musique que de cette musique. Vous appuyez juste. Voilà. Faites comme ça. Musique, vous faites. Faites ma musique. Alors, moi, j'en ai plein. Par exemple, vous téléchargez une intro, par exemple, une intro en musique que vous voulez. Par exemple, moi, je voulais cette intro en musique. Ajoutez de la musique, en fait. Voilà. Alors, après, vous allez dans la petite flèche verte. Voilà, en fait, arrêtez. Exploration, arrêtez d'exploration. Là, ça vous met. Voilà. Vous voulez télécharger sur YouTube. Faites YouTube comme ça. Faites. Voilà. Vous écrivez rien. Faites envoyer. Voilà, vous faites ça. Faites ma technique. Ma technique, elle marche très bien. Voilà. Après, vous faites annuler la mise en ligne. Oui. Voilà. Après, vous allez dans Power Director. Enfin, d'abord, vous allez dans Google. Mon Google. Faites, par exemple, Clash Royale. Image. Hein. Image, par exemple, si vous voulez ajouter une image à côté, vous cherchez des images bien. Par exemple, je prends cette image. Alors, moi ça bug à chaque fois. Encore un screenshot. Par exemple, ce petit truc. Screen miniature, vous allez dans Google encore. Par exemple, comme miniature, on va pas s'embêter, on va prendre. Voilà. Je veux mettre, par exemple, ça. Comme image. Voilà. Faites un screenshot. Power Director or bouton ici. C'est un nouveau projet. Par exemple, je prends ça. Par exemple, je prends cette vidéo, la vidéo que j'ai faite.
Alors, quand j'ai fait la vidéo, par exemple, je veux dire, c'était votre vidéo. Pour ajouter les images que vous avez ajoutées, vous allez dans images, screenshot, voilà, faites ici, faites comme ça, si vous voulez, tac, faites vos screenshots que vous avez ajoutés. Quand vous avez fait ça, vous allez vous suivez toujours ça jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Voilà. Et pareil pour l'autre. Et dans image. Screenshot. Et dans ça. Faites pareil pour là. Oui, vous voyez pas votre image, mais ne vous inquiétez pas, il sera toujours là. Là. Ah. Ah, ça bug à chaque fois, ça. On dégrade. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais arrêtez là. Voilà, vous ajoutez, faites comme ça. Voilà, comme ça. Ouais, moi ça bug, vous faites avec le petit truc là comme ça, moi ça bug. Voilà. Tac. Quand vous avez fait jusqu'à la fin, vous allez dans ici, là ici, sur YouTube. Faites HD, suivant. Voilà. Quand ça sera vers YouTube, vous appuyez, vous allez vers dans envoyer, vous mettez le titre, vous mettez le. La description, voilà, ce que vous voulez. Voilà. Bon. Une fois que vous avez envoyé la vidéo, pour mettre la miniature, vous allez dans Chrome. Faites YouTube. YouTube. Voilà. Vous allez dans votre petit logo. Dans le logo. Allez là, ça bug. Voilà, vous allez dans Creator Studio. Creator Studio. Et là, vous tombez ici. Et quand vous avez ajouté votre vidéo, vous faites modifier, vous appuyez. Voilà. Votre miniature personnalisée. Miniature personnalisée. Document. Vous appuyez dans votre screenshot. Moi, je vais pas l'ajouter parce qu'après, je pourrais plus supprimer. Voilà, faites attention. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne. Et si c'est pas déjà fait, activez les notifications. Bon. Allez, c'était Disco Gaming Clash. Peace!